parti! Salut les amis, moi c'est Chelsea et aujourd'hui je vais passer la journée au travail de ma grande sœur Barbie qui est vétérinaire. J'aimerais moi aussi être vétérinaire quand je serai grande. Alors ma grande sœur m'a proposé de venir voir comment ça se passe. Vous venez? Alors Chelsea, prête à t'occuper et soigner les animaux? Oh oui! Alors, pour commencer, on va s'occuper d'un cheval qui veut plus manger depuis quelques jours. Il arrive, on va voir ce qu'il a le pauvre. Waouh, il est tellement beau! Comment il s'appelle? Il s'appelle Foudre, parce qu'il est aussi rapide que la foudre et que son maître a eu le coup de foudre pour lui. Bon, on va regarder s'il a un bobo quelque part déjà. Il n'a rien aux jambes. C'est bizarre, on dirait qu'il a quelque chose, mais je n'arrive pas à trouver où. Il a une course dimanche. Il faut qu'on arrive à le soigner pour qu'il puisse la faire. Je vais chercher ma lampe pour regarder ses dents. Tu veux bien le surveiller, Chelsea? Oh oui, avec plaisir. La 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 la. Pourquoi tu veux pas manger, mon beau petit cheval? Comment tu vas faire pour courir plus vite que la foudre si tu n'as rien mangé? Je me fiche de cette course. Quoi? Mais... tu parles? T'es vraiment un cheval extraordinaire, Foudre! Oui, je parle, mais personne ne parle avec moi! On ne s'intéresse pas à moi que pour gagner des courses! Oh, je savais pas! Ils sont pas gentils, tes maîtres? Si, je les aime beaucoup et ils sont très gentils! Mais depuis quelque temps, ils me font moins de câlins, de bisous, comme tu viens de faire! Et ça me manque beaucoup! Regardez ses dents, je sais où il a mal. Il a mal à son petit cœur. Une ordonnance de câlins et de bisous tous les jours et ça ira beaucoup mieux. Oh, je suis tellement fière de toi, Chelsea. Tu seras une super vétérinaire. Julie, c'est l'heure du dodo. Oui, maman, mais je veux un gros câlin avant. Et toi alors? Tu aimerais faire quel métier quand tu seras grande?